Parce que là j'ai une barre de vie l'enculé hein. Avec tout putain. Ah. Il est pas très dur hein, mais c'est juste que je joue à perfect et c'est. En gros, en un seul assaut, je lui fais sauter une phase, parce qu'il a trois phases du levant. Voilà, hop. Et je lui fais sauter une phase en fait en un seul assaut, mais... Ah putain, j'ai pas là. Non! La frappe céleste qui passe en temps. Élément de l'arme mongole, ok. Salut Quick Sandreur. Quick Sand. On va l'appeler Quick Sand, d'accord? Quick Sand. Légende accrue, j'espère bien en même temps. C'est un truc plutôt stylé que je viens de faire, donc bon. Point technique. Oh là là! Ah oui, c'était vraiment un truc important là, l'armure mongole. Ça va être un peu la, genre peut-être l'armure ultime là. Putain, j'ai eu plein de points techniques. Bah écoutez, on peut les continuer ça aujourd'hui, hein. Pour être bien prêt pour la fin. Donc je vais le finir en, en plus d'une quarantaine d'heures au final. En rushant l'histoire principale, vous pouvez le finir en 25 heures, mais je vous le déconseille. C'est un peu comme un cyberpunk quoi, faut vraiment être un connard pour faire ça. Après j'ai ça aussi à faire, j'ai plein de trucs à faire en vrai. Mais bon, je vais continuer l'armure pour l'instant. Oh, allez, 3 points techniques. Oh là là. Bon, ça c'est stylé. Voilà. Stand tueur. Non, Osef, les carillons, j'en bats les couilles. Non, ça Osef. Non, ça, on s'en fout un peu. Posture, attendez. On va prendre la force du duel au cas où. On va finir toutes les postures, ce sera fait comme ça. Dans le doute, vous voyez. Dans le doute. Putain, j'ai tellement de charme, je sais pas si ça fait quelque chose au final. Il y avait un charme que je pouvais améliorer au fur et à mesure, mais je sais plus c'est lequel. Il y avait un charme que j'étais censé en fait améliorer au fur et à mesure, mais j'ai pas trop suivi. Ouais, c'est ça. Réduit vitesse de détection à charme de silence. Augmente de raid dans son clan pour améliorer de façon permanente ce charme. J'aimerais que j'en avais un autre comme ça. Non, c'est silence. Bon, je sais pas. Pareil, j'en ai trop là. Ok. Ah, digne du Khan, c'est juste une petite quête secondaire. Par contre, hausse mineure de la légende. Après l'armure de commandant mongol, bon, on sait jamais, ça peut être bien. Si je fais ça, je pense que mon... le vieux Shimura, là, si en plus je m'habille comme eux, il me pardonnera jamais, là. Hein. Là, c'est la guerre. Là, ça va être la grosse guerre. Oh putain, il y a Natamania qui a la forteresse de Seine. Oh là là, incroyable ça. Son jus, on va se quitter environ vers 18h, donc il nous reste pour une heure de live. On va avancer un peu sur l'armure. Et donc, demain, c'est repos. C'est dodo, si vous avez suivi le planning. Et donc, mercredi, on se retrouve pareil à 10h. Et donc, là, on le finit. Là, on le finira mercredi. Là, il nous reste encore une heure de live environ aujourd'hui. Donc, ouais, mercredi, 10h, Ghost of Tsushima. Jeudi, ça sera un gros bilan. On va faire un peu des arts de Gothi. J'ai pas trop hypé les gens pour ça parce que c'est un peu à l'arrache. Mais on va parler un petit peu de. Un peu les Gothi de la chaîne, vous voyez. Ou des jeux qui vous ont vraiment marqué en 2020.
de vous comme de moi en fait. Aussi bien que vous avez vu sur ma chaîne que vous avez kiffé, ou vous que vous avez vu jouer que vous avez kiffé, moi pareil. Et un peu tout ce qu'on va faire en 2021. Ça sera pas un gros live parce que j'aurai encore d'autres copains qui arrivent mercredi soir. Ça sera genre 3-4 heures, ouais. Ah, t'es sérieux? Oh, mais ils m'emmerdent avec leurs attaques imparables. Gotti, Tarkov. Ouais, toi, ton Tarkov, c'est ton Gotti tous les jours, tu vois. Ça me fait penser aux anciens modes dans les jeux FPS avec une balle à mort, faire comme dans la vraie vie. C'est ça, Gol. Mais par contre, les ennemis, c'est pareil, tu vois. Enfin, les boss tiennent un peu plus, mais ils ont aussi le mode létal. C'est à que. Effectivement, les ennemis te one-shot ou two-shot, mais tu fais la même chose. En gros, le but du jeu, c'est évidemment de se rapprocher le plus possible de la. Réalité, avec de gros guillemets, tu vois, j'ai quand même des techniques et tout, mais d'avoir une sensation du katana, c'est-à-dire que si tu tranches un ennemi, bah, il meurt. C'est l'idée, c'est le... What? Depuis quand il fait pas des feintes et tout, lui? Whatever. Oh, putain. Ça commence à être dur. Oh, putain. Pff, n'importe quoi. La finance aurait été plus de 100 écoutés aujourd'hui, en tout cas sachez que ça m'a fait plaisir aussi ça. Parce que Ghost of Tsushima, vous voyez, ça me fait plaisir que vous soyez nombreux, pas parce que vous soyez nombreux sur la chaîne. Je vais pas dire que je m'en fous, mais bon, voilà. C'est plutôt que c'est un bon jeu, je trouve ça toujours dommage quand des aussi bons jeux sont pas regardés. Mais il y a eu du monde pour moi aujourd'hui. T'as valé, je suis fatigué. Ah, mine de rien, là je vous dis, hier on a mis la maison, mais sans dessus dessous en bien, hein, pourtant on a vidé tellement de trucs. Et tout ça qui me fait que j'ai même pas ma manette des gaz, quoi, qu'elle est encore aux Ulysses. Je suis deg. Je vous jure, je suis tellement triste. Parce que j'ai encore 20 cartons aux Ulysses. J'en descendrai quelques-uns, vous voyez là-bas. Je sais pas si je retournerai. Je sais pas quand est-ce que je vais remonter. Parce que j'ai pas spécial. En fait, j'ai pas envie d'aller aux Ulysses. Non pas parce que j'ai pas envie de voir Pookie et Nat, hein. Parce que là-bas, je me sens mal, en fait. Pas à cause de l'appart, mais bah, je sais que je vais avoir des allergies ou autre. Enfin, si c'est pas, je veux pas avoir mon confort haut. Vous voyez ici, j'essaie de leur. Alors bon, là. Pour certains, genre Azelo, c'est pas la folie parce que j'ai un truc limité. Il dort bien pour le coup, mais j'ai le nombre de chaises correct et tout limité. Mais bon, deux camions de 22 mètres cubes comme ça, pour te donner un peu une idée en tout. Et j'ai pas pu tout déménager là parce que j'avais pas les moyens. Complètement, hein. C'est juste une question d'argent. Hein. Je connais pas du temps, j'aurais pas. Ah ouais, j'ai beaucoup d'affaires. Hein. J'ai beaucoup d'affaires. Hein. Bah, je vous ai dit que j'ai eu beaucoup d'argent après tous les décès et j'ai claqué beaucoup de pognon. Beaucoup de pognon, c'est pour ça que j'ai genre de trucs ici, c'est pour ça que j'ai du matos ou autre, hein, parce que j'ai... en 2015-2016, j'ai... 2017, j'ai vraiment claqué... sur 2015-2016, j'ai vraiment claqué beaucoup d'argent. C'est aussi ce qui m'a permis de rester en vie, de toute manière. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Et comme le dit, tout à fait, ça c'est plein de bon sens, j'ai effectivement bien fait de déménager vu la première livraison, ça c'est... Non, on est bien d'accord. Non. Mais je suis là pour la jacques. Ah, j'arrive plus à me concentrer. T'aimerais pas, c'est un survival craft. Oui, clairement, ok, d'accord. J'ai envie de continuer pourtant les armures là. Je connais même pas en fait. C'est vrai que les jeux de survie, c'est vraiment le type de jeu, je pense que je connais peut-être le moins. À part peut-être les STR, je sais pas. On verra. Bon, sinon, vous avez proposé les jeux, enfin, j'ai pas été voir. Enfin, j'ai pas été voir récemment. Pour les OS Games, oubliez pas le 6 janvier, le retour des OS Games avec les platformers 3D. Est-ce qu'il y a des nouveaux jeux qui ont été. Merde, j'ai pas vu le chat. Proposé que j'ai raté. Non, c'est bon, j'ai déjà validé tous les jeux. J'en ai déjà pas mal, hein, via vous hein, et via moi. On a déjà du très bon jeu. Hein. J'ai déjà les 5, mais à tout moment ils peuvent changer. Ouais, s'il y a des gens qui proposent des jeux oufissimes que j'ai raté en plateforme en 3D, voilà. Oh non, je rate la. Putain. On va faire ça. Non. Mais non. Bon, ça va. Oh là là! Ils sont sérieux avec leur TP là? Mais... Bon!
Très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. J'arrive plus à rien. Excellent, excellent, excellent. Ah, l'armure. On y est proche par contre là. Ok, c'est là-bas. Ouais, je fais ce cran là, je pense, et je clôturerai après, j'arrive. Je suis éclaté. Ça va me faire du bien le jour de repos demain. Je vous le dis clairement, ça va me faire beaucoup de bien le jour de repos demain. Parce que ça a été quand même. Même si j'ai pas forcément beaucoup streamé, on a fait quand même. J'ai eu beaucoup de choses à faire hier, elle aussi. On a quand même pas mal streamé cette semaine, je sais pas. Attends, j'ai streamé combien d'heures d'ailleurs cette semaine, je sais même pas. En 7 jours, j'ai fait 40 heures de live en 7 jours. Ouais, ce truc moyen plus quoi. Secourez les otages, assassiner depuis une hauteur sans vous faire voir. Oh. Ok, donc là faut être discret. Si, il y a des sauvegardes auto, mais je suis toujours dans le doute avec ça. Je suis un peu flippé de la sauvegarde auto. Mais si, t'en as une, hein, t'inquiète. C'est juste moi qui suis un paranoïaque. C'est tout. Ah, je peux grimper. Assassiner depuis une hauteur sans vous faire voir. Bah je viens de faire quoi là? Ah parce que c'est un assassinat en chaîne donc ça marche pas. Oh putain. Oh fuck it. C'est du facultatif à la con. Il est où le kleps? Ah bah. Désolé Bibou, je vais pas souffrir. Ils sont où ces connards? Ah, ils sont là. Coucou! Ouais! La gueule! Même le combat furtif a du bon feedback. À travers tous les effets de caméra et tout. Oh, mais c'est vraiment une vraie mauviette celui-là. Oh là là, il y a un connard à l'autre bout, ça va quoi. Putain de mauviette. Elle crève. Bon, c'est bon. À l'aide. Ah bah maintenant tu m'appelles à l'aide, enculé. Putain, quoi, insupportable. Bon, continuons. Secours. 1 sur 5! Oh putain! Il y en a du monde à secourir! Oh là là, vache! Ah ouais, la troisième. Oh là là, c'est du costaud. Hein. Merde. Je peux passer par en dessous ou pas? Ouais, là-bas. Échec. C'est pas des soldats les autres, y'a que lui. Coucou. Ah maintenant tu veux que je t'aide, ils sont vraiment insupportables hein. Allez, 2 sur 5. Assassiner sans faire voir. Ok. Putain, il y a du monde ici. Oh la vache. Merde, je voulais. Oh là là, je suis complètement. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est un peu.
c'est sûr. J'arrive. Ah, il est monté, je suis mort. C'est par lui, c'est par lui. C'était perdu, là, le mec s'était enfui. Donc il y a un étage en fait qui est en haut dans la maison. Eh bah putain. Et je suis... Ça m'a bien sauvegardé, tu vois, ça m'a laissé garder à 2 sur 5, comme tu peux voir. Ils ont pas été trop putes avec ça. Alors, c'était la maison là-bas, je crois. Et donc, il doit y avoir un otage là-haut. Ça passe. Ça passe. Donc, ouais, ok, ils sont là. En fait, je voulais mettre une bombe initialement, mais j'ai un peu paniqué sur le bouton. Ah, voilà. Tac. Non, putain. Il y a beaucoup, beaucoup de raccourcis, tu vois, il y a beaucoup de touches. Faut pas... Okay, ça veut dire qu'ils sont pas contents, je pense. Non, 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 pas les otages, pas les otages. En fait, quand c'est tête de mort rouge, c'est-à-dire qu'il va fumer les otages. Allez, 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 allez. Oh. Y'a que l'archer là. Je l'ai. What? Choper son visage, c'est coton. Hein. Parce que quand ils ont le gros casque et tout, pour choper leur visage, c'est quand même vachement coton. Ah, il y en a en dessous. Maintenant, il y a l'autre con qui va gueuler là-haut en mode sauvez-moi, daskete kudasai! Daskete, daskete! Un truc comme ça, je crois que c'est sauvez-moi. Un bordel dans le genre. Bah tiens, voilà, allez, daskete, daskete. 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 Hop. Alors, je suis à 3 sur 5, assassiné depuis une hauteur. Mais j'en ai assassiné depuis. Non, merde, je veux pas saluer. Pas les couilles de saluer les connards. Tu peux y aller là. Oh là, c'est quoi ça? J'ai vu un truc là, avec Arion plein. Ok, prochaine maison. Qu'est-ce que je peux faire? Non, Carillon, non, l'arc. Ah, mais c'est vrai que j'ai la cerbacane empoisonnée aussi que j'utilise pas du tout. Mais comment on tire? Ah, ils sont pas fans du poison, hein. Étrangement, le poison, ça les met pas en confiance, hein, le poison. Ça les met pas en confiance de ouf. Hein. C'est rigolo ça. Coucou. Putain. J'arrive pas à tirer avec un coup sur deux. Ça me rend ouf.
seems to get built. C'est bon? Ok. Et bonne journée à toi, Choubeka, j'avais pas vu. Bonne journée. Merci d'être passé. Où est le dernier? Attends, ok, ok, il doit être là-haut, le dernier. Oula, je peux grimper là? Ça fait où? Ah si, ok, d'accord, on fait le tour comme ça. Ah, un petit raccourci ici. Allez, on va prendre ça, écoutez. Vendu. Hop, 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 hop. Ok. Le toutou, le toutou. Sœur de merde, les toutous. Croyez-moi, ça me brise le cœur. Mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, ils sont ultra dangereux. Et merci, Old Wolf God, pour le follow. Bienvenue à toi. Merci. Ok, ils savent pas que je suis là. On voit 4. Vas-y, appelle tes potes, t'as bien raison. Appelle tes potes, ils vont te voir en train d'agoniser. On voit 3 restants. Deux restants. Toujours 3. Un nouveau 2 restants. Et plus qu'un logiquement qui est au-dessus. Pas mal, écoutez. Allez, vas-y, viens, viens, viens. Eh oui. Eh oui. Je suis le fantôme, enfoiré. Eh oui. Eh oui, oui, oui. Alors, comment ça se passe pour la... pour l'armure? C'est encore un duel ou pas? Oh, samouraï. Et non, c'est eux qui l'ont direct. Et de 2 pièces d'armure. Et de 2 pièces d'armure. Un aimant d'armure en golf fait sur mesure pour Kotun Kan, trouvé dans la ferme de Kawachi. Ok. Non mais le bonus. Si, si, voilà, c'est fini. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Moi, je trouve ça pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, ouais, donc visiblement, il reste moins de 3 heures hein, pour l'histoire principale. Donc en vrai, on va faire un live de 6-7 heures environ. En fait, de toute façon, non, parce que je liverai jusqu'à ce que mes potes arrivent mercredi soir. On va faire un bon live mercredi à nouveau. C'était vraiment cool. Je sais pas combien il y a de pièces en vrai. Attendez, il y a combien de pièces de l'armure? 1, 2, 3, 4... Ouais, non, parce que je commence à... Ok. On va sauvegarder et on va se quitter là. Donc. Donc. Bah déjà, j'espère que ça vous a fait plaisir. Ce nouveau live sur Ghost of Tsushima.